Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aller visiter un garage qui prépare des voitures pour la course, notamment des Honda, des Civic, des Integra, enfin un peu comme Aslan. Donc on va aller le voir, là il y a un peu de route, il y a une heure de route environ. Donc on va voir, c'est la première fois, je connaissais même pas ce garage auparavant, j'ai découvert ça par hasard. Donc on va aller visiter ce garage, pardon. C'est parti. Donc là, on est arrivé au garage. Putain, c'est énorme. Là, je pense qu'ils sont en train de remettre le moteur. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc là il y a une EG6 vidée, mais je pense que celle-là elle est pour le circuit. Donc là on est dans le garage là. C'est brush up. Là, on a une autre G6. Donc on a le VTEC. Bon, celle-là, elle a pris des chocs, elle a pris des pets. On est en train de la comparer avec ma Peugeot. On comparait les moteurs avec la Peugeot et la EG6. Celle-là aussi, elle est vidée, je pense aussi pour le circuit. Et on en a une autre là-bas. On a un quad. Le garage est assez petit, mais ils ont l'air de faire du bon taf quand même. Et là, comme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de voitures. Normalement, ils ont plus de voitures. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Franchement, un bon petit garage.
Bon petit garage, merde, j'arrive plus à parler, les garagistes sont super gentils. On a parlé pendant au moins 20 minutes devant ma Peugeot, ce qu'ils étaient étonnés de l'avoir. Donc c'est sympa. En tout cas, j'adore la EG6. C'est une des voitures que je vais avoir là-bas, la blanche, elle doit être jolie aussi, je pense. Donc c'est vraiment sympa, ouais. On se retrouve, du coup désolé, j'ai pas trop filmé le garage, j'ai filmé un petit peu quand même. Et comme on a beaucoup discuté ensemble, j'avais pas trop envie de filmer comme ça. Ils sont super gentils, on a dû parler peut-être pendant 2 heures je crois. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, j'ai regardé aussi, ils faisaient un peu de mécanique et tout. Donc bon, c'était vraiment sympa. Honnêtement très gentil, on a vraiment discuté, ils sont beaucoup attardés à ma voiture, du coup c'était sympa quoi. Là je vais au supermarché comme d'hab. Attendez, si j'oublie des trucs dans la voiture. Donc ouais, désolé si vous vouliez en voir plus, mais bon, par respect et tout, j'ai pas voulu faire passer mon temps à filmer. Ils étaient en train de travailler et tout, donc voilà. Donc vraiment des gens très très bien. Je mettrai le lien dans la description du garage et leur Instagram également. En plus, ils m'ont donné des t-shirts. Du coup, je suis content. Comme ça, au moins, je pourrais mettre des nouveaux t-shirts. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Ça va être sympa. Là, je vais aller faire les courses un peu, comme d'hab. J'ai acheté de la glace aussi parce qu'il fait chaud, c'est incroyable. La chaleur humide, c'est un truc de fou. Hop, on se retrouve. Je suis allé faire. J'ai acheté de la glace là. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ma tête en gros plan, j'ai acheté ça là. Galigali au nashi. Enfin, à la poire quoi, en gros. J'adore cette glace-là. Et une glace à la pastèque. Suika. Bah, okay. Voilà. Bon, c'est un petit peu sombre. Putain, c'est une Beetle qui fait ce bruit-là. Volkswagen Beetle. Bon, je vais vous montrer en fait. Attendez, je vérifie si je mets pas le doigt sur le micro là. Ah merde, on voit rien. Je vais laisser comme ça finalement. Je voulais vous montrer ce qu'ils m'ont donné. Ouais, donc ils m'ont donné des stickers comme ça. Et un t-shirt, enfin des t-shirts. Donc avec la marque Brush, ça se voit pas bien, mais. The Brush Up Auto Works, donc c'est leur nom, mais je mettrai le lien dans la description. En plus pour l'été c'est pas mal ça. Donc j'en ai eu un vert, de la couleur vert, et un blanc comme ça aussi. Et je suis bien content parce que comme moi je mets beaucoup de t-shirts, bah ils vont me servir quoi. Donc super sympa le garage. Voilà. Donc honnêtement j'ai passé un bon moment, puis il faisait chaud, mais passé un bon moment. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, parce que je suis actif tous les jours sur Instagram. Je mets beaucoup de stories sur un peu le quotidien que j'ai au Japon. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et après je pense que. Regardez, excusez-moi. Je pense que les vidéos, c'est pour le moment, c'est une fois par semaine. Je pense elles sortent entre mardi, mercredi, tous les mardis, mercredis par semaine. Peut-être les lundis si j'ai le temps. Mais là en ce moment, le rythme que j'ai. Excusez-moi. Le rythme que j'ai, c'est tous les mardis pour le moment. Il y avait une voiture. Je crois que c'était une Yaris.
n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Soyez activer les notifications. Partagez aussi un maximum. Ça serait bien aussi que la communauté s'agrandisse quand même un petit peu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.